Et c'est comme ça qu'il est parti. Faire le djihad. Promets-moi de jamais faire du mal à quelqu'un s'il ne t'a rien fait. Le plus de fois que j'avais Sabri au téléphone qui me disait « Maman, je suis quelque part, mais je ne sais pas où je suis. Tout ce que je vois, c'est le désert et la montagne. » Maintenant, ça fait 1 an et 2 mois qu'il est décédé. J'ai l'impression que c'est... Je pense qu'il faut reconnaître un statut de victime aux parents et aux enfants qui nous ont été enlevés par des réseaux de recrutement, mais aussi par une politique laxiste. Quand est-ce que je pourrais m'inscrire, moi, en tant que mère, ayant perdu mon fils, dans un processus de deuil? Jamais. Mon mari a eu des menaces de mort, mon fils aîné a eu... Donc le fait que je n'accepte pas et que je ne me taise pas, je pose un problème.